Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire. Prince de l'art, alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Jésus soit avec vous. Sa grâce infiniment soit avec vous. Je vous salue tous. Au Togo, tu es en Afrique, tu es partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et ma prière pour vous, rendez-vous au ciel. Nous tous au ciel. Ça, c'est ma prière. Je vous salue tous qui me voient, qui sont en train de me regarder tout à l'heure, partout où vous êtes. Ma prière pour vous, que le Seigneur vous donne tout ce que votre cœur désire pour sa gloire. Que le Seigneur vous accorde tout ce que votre cœur désire. Parce que si on a Jésus, il doit nous donner ce qu'on veut de lui en tant que Père. C'est ma prière. Il va vous accorder. Et ce matin, je suis devant vous en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'envoyé de Jésus, pour vous dire le terme qu'on avait mis sur YouTube, préambule, le monde entier n'aime pas la vérité. C'est sur ça qu'on veut parler. Et par la grâce du Seigneur, Saint-Esprit va m'aider. Vous tous qui me regardez, vous aussi, vous avez besoin que je parle français. Acceptez le mot comme ça, et ça va aller. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ça ira par la grâce du Seigneur. Là, je vous salue. Que la paix de Jésus soit avec vous. Et prêtez-moi l'oreille pour écouter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et pour attendre, pour discerner, vous devez avoir l'esprit de discernement. Pour voir réellement qu'est-ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et partager avec vous. Et choisissons ce qui est bon. Et pour préparer encore pour le retour du Seigneur qui est imminent. Et pour raconter le retour du Seigneur. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais personne ne sait pas le jour. Bien-aimé, aidez-moi et entendre ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que nous aimons Jésus, parce que lui aussi nous a aimé, il a aimé le monde jusqu'à se livrer lui-même. Il est venu payer le prix, il est venu mourir pour nos péchés, mais le sang de Jésus ne sera pas vain, ça je le crois. Et avant d'aller, au moins deux cantiques. Et premier cantique, Seigneur, il est le Seigneur. Il est mort, il est ressuscité, il vit siècle des siècles. Oui, c'est une vérité. Seigneur, il est Dieu. Et seconde chanson est que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Oui et amen, et les ennemis verront que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne mentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit toujours arrive, même si ça tarde. Attends-le, ça va s'accomplir. Là, il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu, parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il y a deux choses que Dieu ne peut jamais mentir. Il ne mentira pas. Pour nous mentir, pour avoir quoi? Mais est-ce que le monde entier accepte la vérité? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Le monde entier n'aime pas la vérité. Pourquoi le monde entier n'aime pas la vérité? Bien aimé, Seigneur va nous aider, nous tous, on va voir pourquoi le monde entier que Dieu a créé, il n'aime pas la vérité. On va le voir et on va voir pourquoi le monde entier n'aime pas la vérité. Pourquoi il n'aime pas la vérité? Bien aimé, après le cantique, je viendrai et prier avant de commencer. Là, je vais chanter. Closia, cloa, tchéni, adé, si adé, avoué, Yesu, Yeah.
Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, à toi la sagesse, à toi la puissance, à toi l'honneur, la gloire. Sans toi, il n'y a personne. Mon Dieu, sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, viens à moi, parler à ton peuple, en ma langue, pour dire ce qui est la vérité. Seigneur, je prie, le moment que tu es venu pour parler à travers moi, touche le cœur, et enlève un cœur de pierre dans la vie de chacun au milieu de nous. Seigneur, donne-nous un cœur de chair pour chacun se repentir, qu'on se repente dans nos péchés, pour faire ta volonté, pour faire ce que tu veux de nous. Seigneur, nous savons que l'heure est prête. L'heure est déjà sonnée pour la trompette. Fais-nous grâce si la trompette sonne. Ensemble, nous serons enlevés. Seigneur, à travers cet enseignement, ouvre les yeux de quelqu'un. Ouvre l'esprit. Ouvre son esprit pour comprendre ta parole qui est la vérité. Mon Dieu, mon roi, tu es un Dieu de vérité. Merci que tu as ouvert nos esprits pour comprendre ta parole qui est la vérité. Je prie au nom de Jésus que toute âme fonge contre nous, les enfants de Dieu qui va aller au ciel, seront sans effet au nom puissant de Jésus. Et toute l'âme qui se lève contre nous en justice, nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tous les projets de Satan, des démons, des sorciers, des sirènes, des vaudous, tout esprit magnifique, leurs projets soient anéantis au nom puissant de Jésus. Ils vont donner l'ordre, mais leurs ordres seront sans effet car tu es avec nous. Oh Seigneur, merci infiniment que tu as touché le cœur. Seigneur, merci, Saint-Esprit, merci que tu es derrière à cette parole qui est sortie. Oh Seigneur, si ça sort, que tout le monde demande comment, qu'est-ce que nous allons faire? Seigneur, touche le cœur que chacun demande, qu'est-ce que nous allons faire? Et je leur dirai, repentez-vous et acceptez Jésus, qu'on vous baptise au nom puissant de Jésus, que vos péchés soient pardonnés. Seigneur, merci que tu l'as fait. Merci que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ont prié. Amen. Praise the Lord, bien-aimés. Je vous salue encore parce que Jésus vous a aimé. Ce matin, il y a des gens qui sont beaux, belles, plus que nous. Ils sont beaux, belles, plus que nous. Il y a des gens qui sont milliardaires. Il y a des gens qui ont tous les diplômes dans ce monde. Mais ce matin, si on les appelle, ils ne peuvent pas répondre. Oui, c'est une vérité. Mais Jésus a fait grâce, toi qui me vois, toi qui m'écoutes. Tu es parmi les vivants. Comme David dit, que tout ce qui est en lui bénit le nom de l'Éternel. Toi aussi, que tout ce qui est en toi bénit son saint nom parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Là, je t'invite de prêter ton oreille pour écouter ce qui est sorti. Mes bien-aimés, les enfants de Dieu, prêtez-moi l'oreille. Comme je vais dire, le premier cantique que j'avais chanté est que tout genou fléchit au nom de Jésus et toute langue confesse que Jésus est ressuscité. Oui, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Deuxième cantique qui dit que la parole de Dieu est une vérité qui est lui et amen. Mais la parole de Dieu que les gens prennent comme mensonge, ils le verront avec leurs propres yeux, ils l'attendront avec leurs propres oreilles. Ils le verront face à face. Ils sauront que Dieu ne ment point et il ne mentira pas. Bien-aimés, le monde entier n'aime pas la vérité. Vrai ou c'est faux? Moi, je peux vous dire, confirmer à 100% que c'est une vérité. Le monde entier n'aime pas la vérité. Si tu dis la vérité aux gens dans ce monde, ils vont te détester, ils vont te haïr. Ils n'aiment pas la vérité. Comme les gens du monde disent, la vérité blesse. Mais ça ne tue pas. Mais c'est ce qui guérit toujours. La vérité, on va te dire la vérité. Tu seras choqué. On va te dire la vérité. Mais ça fait du bien toujours. Mais, exemple, comme les femmes,
si tu dis à une femme ce qui est la vérité, mademoiselle, jeune fille, ah moi je t'ai dit que je suis pauvre, mes parents sont pauvres, mais par la grâce du Seigneur, j'ai arrivé un jour, par la grâce du Seigneur, moi si je veux trouver ce que je vais manger demain, mais pour le moment, je suis Tassimoto, tu vas voir, toi tu es Tassimoto. Et qu'est-ce que tu veux devant ma face? Non, c'est moi que je t'aime. Et je veux qu'on va marcher. Je veux que tu vas devenir ma femme. Tu es bête ou quoi? Tu es bête? Toi, tu es Tassimoto. Et tu me dis qu'on va se marier. Hein? Pour avoir quoi? Quel jour on va acheter terrain? Quel jour on va construire? Les femmes n'aiment pas la vérité. Oui, les femmes n'aime pas la vérité. Est-ce que c'est les femmes seules? Les hommes aussi n'aiment pas la vérité. Et est-ce que c'est les hommes seuls? Les enfants aussi n'aiment pas la vérité. Est-ce que c'est les enfants seuls? Les vieillards, les vieux, nos mamans. La plupart n'aiment pas la vérité. Le mensonge, oui. Mais bien aimé, est-ce que c'est bon de mentir? Est-ce que c'est bon de mentir? C'est bon de mentir en tant qu'enfant de Dieu. Mais pourquoi nous aimons le mensonge plus que la vérité? Parce que le monde entier aime ce que le mensonge. Vérité, non. Ils n'aiment pas la vérité. Comme un jeune avait trompé une jeune fille, que son papa, c'est un milliardaire, hein, que lui, il ne sait pas ce qu'il va faire avec l'argent. Oh, lui, l'argent, c'est quoi? Même un franc, il n'y a pas. Si tu vois son visage bizarre, tu sauras que même un franc, il n'y a pas. Mais il dit non, que moi je suis milliardaire, jeune fille. Moi je voudrais t'aider seulement. Hein. En tout cas, si tu es d'accord, je vais t'amener en Amérique. On va faire mariage. Et puis, tu veux partout où tu veux, je vais t'amener dans le monde entier. C'est vrai. Oh Dieu, merci. Et qu'est-ce que tu veux de moi? Non, ce que moi je veux de toi, il faut prendre la pipe là pour mettre dans la bouche. Et je veux voir comment tu es zélé de ça. Là, je suis prêt. Mais notre Dieu n'aime pas qu'on prend la pipe dans la bouche. Non, oublie ces histoires. Quel Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a dit à travers Paul que le corps d'un homme, ça appartient à sa femme. Et le corps de la femme aussi appartient à l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prendre la pipe, tu peux mettre dans la bouche. Tu vas faire bien. Sinon, moi, il y a des gens qui sont bien plus que toi, qui viennent. Mais c'est comme toi, tu as la chance et tu as une grâce. Je vais partager mon argent avec toi. Sinon, moi, je suis unique fils que mon père a mis au monde. Et mon père, il est milliardaire, il n'y a pas. Mon père, son argent dépasse Donald Trump même. Ah, Donald Trump, c'est un petit. Mon père, c'est bon? Et il te demande que tu as 10 000 là-bas. Après, tu m'as dit, mais parce que moi, je vais te donner heureux. Donne-moi vos 10 000 pauvres là. Et tu es pressé. Tu trembles. Et tu donnes. Mais le monde aime ça. Mensonge. Le monde aime ça. Il prend 10 000. Il dit, viens, on va aller manger quelque chose. Il prend 10 000. Et il t'achète à manger dans ton propre argent. Il prend ton propre argent, il t'amène au tel. Il va payer 1000 francs bien, 1500. Et le reste, il fait ce qu'il veut de toi. Il fait ce qu'il veut de toi. Et puis, après, il dit qu'il faut me rappeler. Hein, et je vais aller chercher l'argent. Et je vais t'appeler. Ils appellent ses amis. Pour dire, ah, et celui que je vais t'appeler là, c'est un milliardaire. Il faut lui répondre gentiment parce que moi je suis comme milliardaire. On est où là? Ah, c'est ça qu'aujourd'hui là, et on m'a appelé à Londres qu'on m'a envoyé 400 milliards. Et elle a fait de trembler comme ça. Elle a fait de trembler 400 milliards. Quoi? Quelqu'un a 400 milliards. Et la fille là, elle est prête pour mourir pour la cause de ce monsieur. Bien-aimé, il y en a des gens, on les a menti dans ce pays. Mais aujourd'hui, on voit que c'est le mensonge. Les gens qui ont dit la vérité, que bien-aimé,
Dieu m'a dit que tu serais ma femme. Mais aujourd'hui, je suis Tassimoto, on va prier, Dieu va ouvrir des portes aujourd'hui. On a rejeté ces gens. Mais les gens qu'ils ont trompés, qu'on a un milliardaire, mon papa est milliardaire, on a ceci, on a ceci, toutes les usines et partout pour mon papa, ceci, etc. On est content de ça. Mais nous savons très bien que ce sont des mensonges. Mais on court derrière toutes ces choses. Et les hommes aussi, s'ils les font aussi, les trompent. Que à moi, monsieur, si moi je t'attrape là, au lit là, tu vas chier. Tu vas chier? On te dit que tu vas chier. Une femme qui te dit si je t'attrape, tu vas chier au lit. Tu dis waouh! Ami, j'ai eu une fille là, elle m'a dit qu'elle m'a attrapé au lit, je vais chier. Et si une fille te dit qu'elle va t'attraper, toi, oh, et tu vas chier, tu ne vas pas fuir. C'est ce qu'on est. Pour courir aller là-bas pour chier. Je vais chier, voir. On n'aime pas la vérité. Mais ce que je voulais vous dire ce matin, on doit se repentir. Aujourd'hui, en Europe aujourd'hui, à peau de papier, viens voir la vie des femmes. Je vais tout faire pour avoir une nationalité française. Viens voir leur propre vie. 1000 hommes couchés pour lui donner un seul papier et ils sont prêts. Mais eux-mêmes savaient très bien que ce sont des mensonges. Que en faisant tous ces choses avec eux, papier qu'ils veulent, on ne les donnera pas. Mais ils sont obligés de se vendre leur corps. Un démon à tout le monde. Est-ce que c'est ça qui est bon? Bien-aimés, on va voir aujourd'hui que le monde entier n'aime pas la vérité. Pourquoi je dis ça? Le monde entier n'aime pas la vérité, ce qu'on appelle vérité, le monde entier n'aime pas. On va voir ça dans la Bible. On va voir Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Non. On va aimer Jésus et on va garder encore ce commandement. Non. Non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non, nous, on n'est plus sous la loi. Hein? Et c'est la grâce. Hein? Mais Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non. Non, 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 c'est la grâce. Hein, car Paul même a dit que celui qui est encore sur la loi, c'est une malédiction. Hein, non, c'est la loi. Hein, on est sauvé par la grâce. Celui qui on croyait en lui, qu'on a sauvé par lui, c'est lui qui est Jésus. Mais il nous dit Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le problème aujourd'hui aux enfants de Dieu. Commandement de Dieu, c'est problème. C'est problème aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à aller au ciel. Si vous m'aimez, si vous savez que Jésus est venu mourir pour toi, Jésus est venu verser son sang, garde ce commandement. Non, commandement, non. On ne peut pas garder le commandement de Jésus. Commandement de Jésus, c'est la grâce. Non, on n'a pas dit ici la grâce. On a dit ici commandement. Si tu aimes Jésus, garde ses commandements. Tu peux me dire lequel? Comme le jeune riche aussi a demandé Jésus, lequel? On l'a dit, tu seras ceci, tu feras ceci, tu feras ceci. Il dit, oh, si c'est depuis mon enfance, moi j'ai fait ça. Hein? Et qu'est-ce qui me manque encore? On demande encore, toujours, encore. Mais ce que Jésus veut ici, si on veut aimer Jésus, on n'a qu'à garder ses commandements. Son commandement est que on doit quitter le monde. On doit abandonner le monde. On doit haïr le monde. Mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à abandonner le monde. Et on n'aime pas la parole de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Non. C'est une vérité, ça. Toi qui m'écoutes, tu sais très bien que c'est une vérité. Que tu n'aimes pas Jésus.
Tu aimes Jésus avec ta propre bouche, mais ton cœur, nos cœurs sont éloignés de Jésus. Parce qu'on ne veut pas aimer Jésus en gardant son commandement. Non, on ne veut pas ça. Comme les Ivoiriens, mes frères Ivoiriens disent, tout le monde va aller au ciel, tout le monde va aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Hein? Ça, on est d'accord. Oui. Tout le monde va aller au ciel. On veut aller aussi avec nos péchés. Oui, on est d'accord avec ça. Mais enlever nos péchés là, non. Bien-aimé, pourquoi tu aimes Jésus et tu ne veux pas la vérité? Le monde qui est Satan, lui ne peut jamais aimer la vérité. Mais toi, enfant de Dieu, le monde qui est Satan, lui, il est endurci dans son cœur. Et il ne peut jamais se repentir. Ça, on est d'accord avec lui. Parce que lui, c'est un enfant de perdition à jamais. Parce que lui, il va aller en enfer. Il veut, ne veut pas, il va aller en enfer. Ça, on le sait. Quelqu'un qui va aller en enfer, il est pressé même pour aller en enfer. Et tout enfant de Dieu, toi aussi, tu es pressé pour aller en enfer. Aujourd'hui, le monde entier est pressé comme la diarrhée pour aller en enfer. L'enfer, tu peux résister. Une seule minute, en enfer, tu peux résister. Et pourquoi tu ne veux pas la vérité? Non, que la parole de Jésus est trop dure. Eh? Non, la parole de Jésus, là, c'est trop dure. Qui peut l'écouter? Comme plusieurs aussi en ont dit, et Jean 6, verset 60. Je lis la parole de Jésus au nom puissant de Jésus. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Et ce sont les disciples de Jésus même qui disent que la parole de Jésus est trop dure. Qui peut l'écouter? On n'est pas la vérité. La vérité, ça me fait mal. Vérité, non. Nous sommes ennemis de la vérité. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu es-tu devenu ennemi de la vérité? Enfant de Dieu, pourquoi tu es devenu ennemi de la vérité? Pourquoi tu es en train d'opposer à Jésus? Pourquoi tu es en train d'opposer au Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Non, que c'est trop dur, c'est trop. Hein? On est sauvé par la grâce et puis c'est terminé. Oui. Le salut ne se perd pas, oui. Mon frère, ne te trompe pas. Le salut se perd. Disons la vérité, le salut se perd. Oui, le salut se perd. Les 12 apôtres de Jésus, Judas Iscariote, il a fait quoi? Il a perdu son salut. C'est une vérité, mais le monde n'accepte pas. Le monde dit aujourd'hui que Judas Iscariote est au ciel. Ça, c'est de l'abomination. Judas Iscariote ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Il a vendu Jésus parce qu'il a l'amour de l'argent. Et toi? Toi, tu as quoi dans ton cœur? Est-ce qu'on veut aller au ciel? Qui va aller au ciel? Tu vas voir, tout le monde va lever les deux mains. Moi, je suis au ciel déjà, même à lever leurs pieds avec leurs mains. Je suis au ciel. Mais pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Si on veut pas, non. C'est lui, encore. Il faut effacer ça. Et bien, je ne veux pas écouter sa parole. Sa parole me fait mal. Le gars là, lui, il parle de n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Pourquoi on n'aime pas la vérité? Pourquoi la vérité nous dérange? Plusieurs des disciples de Jésus, plusieurs de ses disciples, alléluia, on n'a pas dit plusieurs des charlatans, hein? Pourquoi maintenant les enfants de Jésus, les disciples de Jésus, pourquoi aujourd'hui les 70 disciples de Jésus, ils disent net que c'est ton Dieu? On se dit non, Jésus là, c'est un démon. Pourquoi il va dire qu'on va manger sa propre chair et on va boire son sang?
C'est un sorcier d'ailleurs. Si tu es en train de marcher pour chercher un chemin que tu ne connais pas, on demande. Si tu ne connais pas, il faut demander. Si Jésus a dit vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang, si tu n'as pas compris, demande, Seigneur. Pardon, hein, comment on va manger ta chair? Et comment on va boire ton sang? Non, c'est trop dur. On ne va pas écouter. Bien-aimé, c'est le moment où on va se repentir. On dit, plusieurs de ses disciples, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Non, moi, je ne suis pas dedans. Ce Jésus-là, il est n'importe qui. Je ne suis pas dedans. Jésus, il n'est pas n'importe qui, hein? Jésus, il est Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, entre nous, on se dit que la parole de Jésus est trop dure. La parole de notre Sauveur est trop dure. Jésus, sachant que Jésus chassant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, le dit, cela vous scandale-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. On n'aime pas esprit et vie. On aime la chair. La chair. Oui, on aime ça. Beaucoup, la chair. Bien aimé. Mimir. Aujourd'hui, on est caché pour faire des mimires. On ne voit pas, hein, mais on va parler mal de lui. Tu parles mal, tu ne parles mal. Ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois accepter ce qui est la vérité. Le monde entier n'aime pas la vérité. Le monde entier, il n'aime pas la vérité. Comme un jeune garçon, lui, depuis sa vie, il est menteur. Il ment. Et ce jeune-là, il arrivait, un moment, ils sont en vacances, ils sont partis au marigot, ils sont en train de nager aux rivières, et puis il est sorti. Il dit, hé, hey, l'eau arrive, l'eau arrive, l'eau arrive. Et tout le monde courit. Quoi, l'eau arrive. Ah, je vous ai menti. Toi, tu es fou. Tout le monde parle mal. Après, c'est en train de nager encore. En train de nager. Il dit, hé, hey, l'eau vient. Oui. Vous savez, je ne vais pas. Ils ont couru encore, ils ont senti. Waouh, je vous ai trompé. Maintenant, la troisième fois, l'eau vient vraiment. Et il est sorti, il est allé sur la montée, il dit, hé, hey, mes bien-aimés, je vous supplie, l'eau vient. Et dans l'eau là, il y a des cocrodis. Les cocrodis sont dedans pleins. Ouais, cocrodis n'a qu'à venir manger. C'est un problème. Tu nous as menti deux fois ici. Cocrodis vient. Tout le monde est en train de nager. Je vous en prie, sortez. Oh, pardon. L'eau vient. Et il y a cocrodis dedans. Sortez. Oh, pardon. Et pardonne-moi que je vous ai menti deux fois. Maintenant, je vous dis la vérité. Non. La vérité, là, moi, je n'aime pas la vérité. Je suis prêt pour que cocrodis n'a qu'à venir me manger ma chair. Ma chair aussi, là, il a vieilli. Hein? Cocrodis, viens prendre. Ils sont en train de nager encore. L'eau les a tous emportés. Et cocrodis les a tous mangés. On n'aime pas la vérité. Vérité, non. Mensonge, oui. On aime ça. Pour mentir. Yeah. On aime ça beaucoup.
Vérité, c'est comme couteau qu'on met sur nous, ça nous dérange. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'aimes pas la vérité? Pourquoi vous êtes en train de faire murmure à propos de la parole de Jésus? Murmure. On n'aime pas la vérité, que c'est trop dur. Qui peut l'écouter? Moi, je suis pas dedans. Oh, moi aussi. Murmure. On n'aime pas la vérité. La vérité blesse. Mais ça ne tue pas. Ça donne la vie. Jésus disait, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole de Jésus, c'est l'esprit. Il nous vivifie, il nous donne la vie. Mais la chair là, ça ne vaut rien. Mais aujourd'hui, on prend soin de notre propre chair, plus que notre âme. C'est une vérité. Tout le monde entier prend soin de leur propre chair. Tout le monde pressé, travaille, grossit leur ventre. Oui. On est pressé pour grossir nos joues. Oui. Très bon. On est pressé pour changer nos poumons. Tel noir qu'on était, on a fait des poumons, on est devenu tel clair. Mis à Satan. Bien-aimé, la parole de Jésus, c'est la vie éternelle. La chair ne sert à rien. Tu es poussière. Tu retourneras en poussière. Comme Dieu l'a dit. Mais l'esprit qui est la vie, qui est en nous, bien-aimé, on doit faire tout et tout pour que notre âme soit sauvée à travers la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, il aime la mort éternelle. Celui qui aussi aime la vérité, il a la vie éternelle. C'est une vérité incontournable. Mais bien-aimé, pourquoi nous n'aimons pas la vérité? On n'aime pas la vérité. Mais la parole de Jésus, c'est la vie. Mais la chair ne sert de rien. La parole que Jésus nous donne, c'est la vie éternelle. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Jésus a dit à ses disciples, Jean 6, verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. À qui irons-nous? Tu es la vie. Tu es la parole. La vie éternelle. Alléluia. À qui irons-nous? Si nous disons aujourd'hui que la parole de Jésus est trop dure, et si nous mourons, si nous rencontrons Jésus en face, qu'est-ce que nous allons dire? Jésus s'est dit encore, oh, je ne veux plus de toi, tu vas aller en enfer? Repentons-nous. C'est le moment où on se repentit. Je vous en prie. Mais bien-aimé, moi qui vous dis aussi, je suis dedans, nous tous on est dedans. Si nous aimons Jésus, nous devons garder ses commandements. Mais on n'aime pas Jésus. Et on ne veut pas aimer les commandements de Jésus. Non! Jésus est venu mourir pour nos péchés et puis s'est arrêté. Le salut ne se perd point. C'est vrai? Et voyons l'église qu'on dit que le salut ne se perd pas. Regarde comment les gens sont nombreux. Le salut ne se perd point. Le salut ne se perd point. On ne va jamais se perdre le salut. C'est ici. Je cherche l'église là. Voilà, on dit le salut ne se perd pas. Il est où? Mon frère. C'est l'église là. Attends, tu cherches. Oui, je l'aime ça. J'aime ça beaucoup. Le salut là. Non. Tant que j'ai accepté Jésus là, je peux faire toute vie
fornication, adultère, mensonge, le salut là, c'est garanti. Parce que Jésus est venu mourir pour ça. C'est faux, c'est archi faux, bien aimé. C'est archi faux. Le salut se perd. C'est une vérité incontournable. À qui irons-nous? Si nous ne voulons pas la vérité aujourd'hui, nous allons courir vers le Satan, qui est le père de toutes les mensonges. Le père des mensonges. Il rencontre n'importe quoi. Il vante n'importe quoi. Bien-aimé, à qui irons-nous? Comme Simon Pierre, l'apôtre de Jésus, en a dit. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Tu es la parole de la vie éternelle. À qui irons-nous? Seigneur, bien-aimé, je prie que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide de garder les commandements de Jésus. Qu'il nous aide. On aime Jésus, mais on ne veut pas garder ses commandements. Non, tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus nous a aimés premièrement. Et ce qu'il a pour vivre, c'est ce qu'il nous a donné comme sa vie. Nous aussi, nous devons aimer cette personne. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire d'aimer Jésus. Ce que le reste pour vivre, il nous a donné comme sa vie. Bien-aimé, que Dieu nous aide. À qui irons-nous? Monde entier, les disciples de Jésus, les élus de Jésus, ils n'aiment pas la vérité. Les disciples de Jésus sont aveuglés. Les disciples de Jésus sont aveuglés aujourd'hui. Les disciples de Jésus disent que c'est Jésus même qui m'a envoyé. C'est Jésus même qui m'a donné le nom apôtre. Tant qu'une femme qui dit ça. Non! C'est abomination. Ça n'existe pas. Dans le temps que Jésus est présent, il est venu sur la terre, parmi les 12 apôtres. Où est les femmes? Dis-moi. Non, non, on n'aime pas ça. Je vais te poser une question. Tant que Jésus est resté là, c'est les hommes qui l'ont rencontré premièrement ou bien c'est les femmes? Tu l'as bien posé la question. Toi là, oh, c'est Dieu qui t'a appelé, ma soeur, mon frère. Tu veux la vérité, tu vas aller au ciel. Tant que Jésus a raconté les femmes, est-ce qu'il les a donné un nom et vous allez nous donner ça dans la Bible? Allez leur dire que je suis ressuscité. On va se raconter ici. Là, elle est devenue pasteur. Elle est devenue apôtre. Elle est devenue... Ce que vous dites aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit. Je vais vous dire la vérité. Si Jésus n'a pas dit, tiens, dit qu'il a dit. Non, j'ai vu Jésus dans mes rêves, il m'a oint. C'est Jésus même qui m'a oint. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Jésus lui-même qui m'a oint. Qui m'enseigne. Arrête ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est le moment où on va se repentir. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Sauve nos âmes. C'est important. Non, c'est Jésus qui m'a donné le pouvoir. 120 personnes là, qui étaient tous ensemble. Et Saint-Esprit est descendu le jour de Pentecôte là. Il n'y a pas les femmes et ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Arrête ça. S'ils ont reçu le don de Saint-Esprit, on a écrit là-bas qu'ils sont devenus apôtres. On a écrit là-bas qu'ils ont dirigé l'église. Bien-aimé, monde entier n'aime pas la vérité. Monde entier n'aime pas la vérité. Vous les femmes, on n'aime pas la vérité. Comme Ève, notre maman, elle n'aime pas la vérité. Elle n'aime pas la vérité.
Si tu veux avoir une femme, dis les gens du monde, faut le tromper, sinon tu ne peux jamais gagner. C'est vrai? Oui, sinon, nous tous les femmes qui sont dans le monde là, tous les hommes nous ont trompés avant qu'ils ont eu. Et vous êtes fiers de ça? Bien-aimés, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. C'est une vérité, parce que le monde entier n'aime pas la vérité. La Bible dit, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'aime pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'en parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et je vais vous poser la question, est-ce que si elle n'est pas mariée, il va poser la question à qui? Qui l'a enseigné? Il n'a pas passé. La dame là, il n'a pas marié. On dit que c'est au marié qu'on parle ici. C'est vrai? C'est marié. Maintenant, qui a? Si un pasteur qui a donné enseigner ça, s'il n'a pas compris, si on a fini la messe, il peut approcher à son pasteur. Même pas ça. Je veux savoir ceci, ceci. Par l'aide de cet esprit, son pasteur va l'aider pour comprendre. La vérité est que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Que toutes les églises des saints, ce n'est pas permis à une femme d'enseigner ou bien de prendre l'autorité. On dit que c'est Paul qui dit que je veux aussi que les femmes. Paul, c'est un charlatan? Répondez-moi. Oui, Paul, c'est un charlatan. C'est pourquoi il veut que les femmes soient dernières dans les églises pour qu'ils ne parlent pas. Non, Paul n'est pas un charlatan. Paul dit que Dieu, ton Dieu, mon Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre qui n'est pas permis à une femme d'enseigner ou bien de parler s'il veut s'interroger quelque chose à la maison, à son mari. Nous les jeunes filles qui ne sont pas mariées, vous avez vos pasteurs, vous avez vos leaders, vous avez vos diacres, approchez, interrogez des questions que vous avez. On voit la vérité ici, mais non, on dit non. On dit non. Et ce que moi je sais ici, Paul est en train de parler aux Corinthiens. Toi tu es Togolais, où on a écrit la Bible togolais ici? Montre-moi. Tu es Ghanéen. On a écrit ça où? Que vous êtes Ghanéen. On a parlé. À vous, vous êtes Français. Où? On a écrit ça où? C'est les Corinthiens. Et c'est les Corinthiens qui a toutes les églises de saints. Toutes les églises des saints. C'est ça les Corinthiens? Et c'est les Corinthiens seulement qui sont des églises? Si c'est les Corinthiens seuls qui sont toutes les églises, c'est les Corinthiens. On parle ça aux Corinthiens. Si c'est les versets là, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas. On dit ça, on parle ça aux Corinthiens. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à vous. Maintenant, vous, vos paroles là, c'est où? Votre Bible là, c'est sorti où? Vous qui dites que ce n'est pas à nous qu'on parle. C'est aux Corinthiens là, et les gens de Corinthe, quand ils sont en train d'endresser, ce n'est pas à nous. C'est bon. Mais écoutez-moi quelque chose, on dit. Est-ce que
C'est chez vous que la parole de Dieu est sortie. Point d'interrogation. C'est chez toi que la parole de Dieu est sortie. Toi qui ne sais pas, des gens de Corée, nous ne sommes pas des Corinthiens, qui à l'époque, les femmes Corinthiennes parlent beaucoup à l'église. C'est pour cela que femme a dit ça aux femmes Corinthiennes. Est-ce que c'est chez vous là que la parole de Dieu est sortie? Dis oui, c'est chez moi. On voit la vérité en face, mais on fait semblant. Comme on ne voit pas. Est-ce que c'est chez toi que la parole de Dieu est sortie? Réponds. Oui, non. Comme tu disais, c'est les gars de Corinthiens là, quand Paul a fait des adressés. Et maintenant, c'est chez toi la parole de Dieu est sortie? Dis-moi oui. Mes bien-aimés, les femmes, je vous supplie, pardon, obéissez, gardez le commandement du Seigneur. Tant que Jésus est venu, il n'a pas choisi les femmes parmi les apôtres de Jésus. Et il n'a pas choisi les femmes parmi ses disciples. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus va changer sa parole. La Bible dit, Hébreux 13, verset 8, Jésus est le même hier. Le même hier que Jésus était sur la terre et il a choisi les 12 disciples pour travailler avec lui. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Il ne change pas sa parole. Est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Vous, les femmes pasteurs. Je sais que toi, tu ne m'aimes pas. Parce que je te dis la vérité. Tu ne m'aimes pas. Ce que je dis maintenant là, c'est comme tu vas prendre un marteau pour casser ma tête. Mais tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas moi qui vis. Jésus qui vit en moi. Bien-aimé, est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Commandement du Seigneur. Non pas un commandement de Paul, non pas un commandement des Corinthiens, commandement du Seigneur, non pas un commandement des Togolais, non pas un commandement des Africains, non pas un commandement des Blancs, commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit, c'est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Si quelqu'un ignore, qu'il ignore. Mais c'est un commandement du Seigneur. Commandement du Seigneur, vous le faites. On dit donc que la Bible a dit à Galates que nous sommes tous un. Comme vous êtes tous un. Un. Il ne faut plus monter sa femme. Parce que vous êtes devenu un. Tu le dis, vous êtes un. Il ne faut pas toucher ta femme. Il ne faut plus le toucher. Écoutez-moi bien. Vous, les femmes, qui prend l'autorité dans l'église, c'est l'esprit de Python. C'est une vérité incontournable. Vous, les femmes, Dieu m'a dit de vous enseigner abomination. Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Ça, c'est désordre absolu. 100%. À haute dose. Mais bien aimé, c'est le moment où on va se repentir. C'est pas encore trop tard. Mais si tu meurs dedans, en tant que femme pasteur, en tant que femme apôtre, tu vas aller en enfer. Tu vas regretter. Tu vas regretter amèrement. Adam 1. Qui était ce Dieu? C'est Adam? Dis-moi oui, qui est Adam? La Bible dit, néanmoins, les femmes seront sauvées. Tu connais le verset? Bien-aimés, que Dieu nous aide, vous les femmes, qui donnez de toutes les noms. Je vous en prie. Repentons-nous. C'est le moment où on va se repentir. Repentons-nous.
les femmes apôtres, les femmes pasteurs, les femmes. C'est le moment où on va se repentir. Dieu m'a dit, tu es sur le podium, si tu es sur l'autel, hey, vous tous les enfants de Dieu qui vont aller au ciel, si vous voyez une femme qui monte sur l'autel de Dieu, fuyez l'église là, fuyez rapidement, fuyez. Ça, c'est l'esprit de Python qui est là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Vous pouvez chanter, danser. Dieu n'est pas là-bas. Si une femme monte sur le terre de Dieu, elle s'assoit sur une fauteuil pour mettre le pied sur le pied, pour dire que je suis femme pasteur. Abomination! Aujourd'hui, soi-disant des pasteurs, soi-disant des grands pasteurs dans le monde, il dit, on a fait théologie. Vous êtes des enfants de Satan qui fait théologie. Vous êtes des enfants de Satan. Cette théologie-là, qui a dit que l'enfant n'a qu'à devenir pasteur, c'est écrit où? Et aujourd'hui, les grands, soi-disant, soit les grands pasteurs, ils disent, ils sont dans le ministère de Jésus, ça fait 40 ans, ministère de Jésus, 100 ans. Tu peux être dans le ministère de Jésus 1000 ans, ça ne signifie pas que tu as été allé au ciel. Être dans le ministère de Jésus 1000 ans, c'est pas qu'on a écrit ton nom dans le livre des cieux. Accepte-le. C'est une vérité, je te dis. Vous, les femmes qui craignent Dieu, c'est le moment de se repentir. On n'aime pas la vérité, mais ça blesse. Mais on doit le dire. Si je te dis la vérité, si tu pleures, un jour, on est arrivé au ciel, tu dis, mais sur la terre là, tes paroles sont trop dures. Je n'arrive pas à supporter, mais Dieu m'a touché mon cœur. Et puis, j'ai accepté, aujourd'hui je suis au paradis. Tu seras dans une grande joie d'être apprécié devant les hommes. Non, moi je suis un homme de Dieu. Vous me connaissez, Dieu m'a un. C'est moi qui dis que les femmes doivent être pasteurs. J'ai déposé la main sur toi. Oh, baba. C'est Esprit Saint. Et vous disiez Esprit Saint, mais au lieu d'Esprit Python, Esprit Python. Elle est remplie d'Esprit Python. Bien-aimé, c'est le moment. Car la Bible dit 1 Timothée chapitre 2, verset 11, en allant. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. On dit, c'est Paul qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Hey, c'est Paul qui parle ici. 1 Corinthiens, chapitre 14, 33 à 38, c'est Paul aussi qui parle là-bas. Il dit ce que je vous dis, c'est un commandement du Seigneur. Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est un commandement du Seigneur. Ici, on dit non, que c'est Paul qui a parlé ici, qui n'aime pas les femmes. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Quand Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable. Vous écoutez? Rendue coupable. C'est pour cela. Les femmes là, attention, c'est à cause des femmes aujourd'hui, le monde entier en enfer. Femme, une seule femme, pour faire pipi là, elle doit baisser, mais elle a emmené le monde entier en enfer. Des milliards en enfer, incomptable même en enfer. Depuis le temps de Ève jusqu'à aujourd'hui, incomptable. Elle sera néanmoins sauvée. En devenant mère,
si elle persévère avec modestie dans la foi. Modestie dans la foi, non pas de prendre l'autorité. Modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Aujourd'hui, les femmes disent modestie dans la foi. Ils sont devenus apôtres, ils sont devenus pasteurs, ils sont devenus t-shirts, mini-shirts. Ça ne peut pas t'amener aussi. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Néanmoins, toi qui m'écoutes, tu peux te sauver tant qu'une femme. Soumission. Il faut enlever le titre de pasteur, le titre d'apôtre, le titre de quoi. Il faut enlever tout. Soumission. Soumission. Elle sera néanmoins sauvée. Soumission. Modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté absolue. Bien-aimé, aujourd'hui, le pasteur dit que l'âge lui a été donné une femme comme une voile, abomination, et que leur cheveux là, c'est déjà voile. En bon, le monde entier n'aime pas la vérité. Et les femmes laissent leurs cheveux comme ça pour aller à l'église. Il se dit, alléluia, les hommes regardent mes cheveux, oh, alléluia, ah oui, les hommes là, regardent mes cheveux, oh, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, chantons ma belle, chantez comment je suis belle. Tu ne chantes pas Dieu, tu chantes pour toi-même. Alléluia, pour que les gens voient que tu as laissé tes cheveux. Voilà, non. Dieu a dit que la chevelure a été donnée une femme comme voile. Dieu a dit toujours. Mais vous ne voyez pas ce que Dieu dit toujours. Dieu a dit. Le monde entier n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, il déteste. Le monde entier n'aime pas la vérité. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si elle est honteuse pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Qu'elle se voile. Non. Écoutez-moi, bien-aimé. Non, Jésus m'aime et je le sais. Comme tu le dis. Il ne faut pas voiler la tête, tu vas voir. Arrivé en enfer, tu seras que, oh Jésus, non, Jésus ne m'a jamais aimé. Il m'a rejeté en enfer. Alléluia. Tu ne peux pas chanter Alléluia là-bas. Tu ne peux pas chanter Alléluia. Parce que tu n'aimes pas Jésus. Parce que la Bible dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, tu as déshonoré Jésus. So, c'est comme si elle était rasée, sa tête. Bien-aimé, le monde entier n'est pas la vérité. La vérité fait mal. Les enfants de Dieu qui se disent, enfants de Dieu qui va aller au ciel, ils n'aiment pas la vérité, ça les fait mal. Ce n'est pas aujourd'hui. Même en présence de Jésus, il dit non, c'est trop dur. On dit si tu as honte de voiler ta tête là, il faut raser, il faut faire ta zo. Il faut raser tous tes cheveux. Et il faut prendre, et il faut acheter
le lune rouge, au moins 100 francs pour mettre dans la tête. Mais si tu as honte là, il faut voiler ta tête. Aujourd'hui, les femmes. Dieu a dit, la tête n'est pas voilée. Dieu a dit, quel Dieu? Ah oui, Dieu Python. Oui, parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux sur la terre. Il y a plusieurs dieux sur la terre. Dieu de Python. Dieu de dragon. Dieu de serpent a dit. La tête n'ont pas voilé. Ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre. C'est une vérité incontournable. Ça, c'est désordre. Ça, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas votre enfant. Et aujourd'hui, soi-disant des pasteurs se fait devant en prêchant. Et les gens en train de parler avec eux. La tête non voilée. Ils sont en train d'interpréter. Pour dire, il faut interpréter, c'est toi que Dieu a choisi. Il faut parler. Hey, je mets la main sur toi. Le temps de l'interprétation, il faut parler bien. Elle n'a pas volé la tête. Tu es en train de prier. Quel Dieu? Toi, pasteur aveugle. Tu as des gros yeux. Mais tu es aveugle, tu ne vois pas. C'est le moment. On doit revenir à la parole de Dieu qui est la vérité. Les femmes, il n'a pas voilé la tête en train d'interpréter la parole de Dieu. Le pasteur parle, le passe. Le pasteur arrête, il a aussi arrêté. Et les gens lui regardent en prêchant. Et les gens disent, c'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Après, le monsieur lui fait les yeux. Il dit, c'est ça Dieu. Ça, c'est n'importe quoi. Satan, l'église de Satan. Hein? Regardez ce qui se passe dans l'église. N'importe quoi. C'est le moment où on va se repentir. Parce que la Bible dit quelque chose, dit, j'aime ça. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Une marque. Quelle marque? Que c'est son cheveu qui est devenu voir? Non! Une marque. Elle doit voiler sa tête à cause des anges. Si c'est à cause des anges, toi qui veux prier à Jésus, on dit à cause des anges, tu dois avoir une autorité. Marque sur ta tête. Et tu dis que non, que la Bible dit que la chevelure a été donnée à une femme comme une voile, comme si un cheveu, c'est fini, c'est voile. Abomination. 13 dit quoi? 13 dit, jugez en vous-même s'il est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Si une femme prie Dieu sans être voilé sa tête. Non, la chevelure a été donnée comme voile, non. Pourquoi on va voiler ça encore? L'écriture tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Bien-aimé, le monde qui est sans temps n'aime pas la vérité. Toi aussi, si tu n'aimes pas la vérité, sache que tu es dans le monde, tu es appartient au monde, tu es le fils du monde.
le fils du monde qui est Satan, monsieur néant. Néant, il n'a rien, mais il se vante qu'il a quelque chose. Il est monsieur néant. Ton papa, c'est monsieur néant. Non, hein, moi, et si je n'ai pas voilé là, et si j'ai fermé les yeux là, les anges. Alléluia. Oh là, papa, papa, papa. Ce n'est pas les anges, les démons. Démons de ton papa Satan là, que tu vois, que tu dis, là, quel ange. C'est le moment où on va se repentir. Bien-aimé, si je te dis ça, c'est qu'on va se repentir, c'est le moment. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Point d'interrogation. À vous de juger. À vous de juger. Et vous dites qu'on a dit, verset 15, que, mais que c'est une gloire pour la femme d'apporter parce que la chevelure l'a été donnée comme voile. Quel voile? Si la chevelure était donnée une femme comme une voile, pourquoi on dit que c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque? Pourquoi on dit ça? Si la chevelure a été donnée une femme comme une voile, pourquoi on dit encore la femme doit avoir quelque chose sur la tête? Pourquoi on dit encore si la femme prie ou bien elle est en train de prophétiser? La tête non voilée. Désolant son chef. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on n'a pas dit comme la cheville a été donnée? Non, et il peut prier à tout moment. Pourquoi on n'a pas dit ça? Bien aimé. Que Dieu nous aide. Vous les papes, on n'aime pas la vérité. Et si on m'a dit la vérité aujourd'hui, si on va arrêter sur les femmes, on ne peut pas quitter ici aujourd'hui. Si on va parler pour les femmes, on ne peut pas quitter ici. Les femmes là, elles n'aiment pas la vérité. Les hommes qui peuvent les mentir, hein, ils aiment ça. Les hommes qui peuvent tromper les femmes comme Satan qui a trompé Ève, les femmes, ils aiment ça. Youpi! C'est comme ça. Mais vérité, non. Mensonge, oui. Pourquoi si on va aller au ciel? Moi, ce que ça t'appelle Ève là, moi je ne suis pas dedans. Hein. Mais on dit qu'il faut voiler la tête, il dit non, non, la Bible dit. Regarde, ça t'a tabu. Tu aimes le mensonge. Mais bien aimé, toujours le pape. Toujours le pape. La Bible dit, celui qui veut être ami du monde, cela signifie que celui qui veut plaire au monde, celui qui veut accepter le mensonge du monde qui est Satan, il devient ennemi de Dieu. Directement, automatiquement. Tu deviens ennemi de Dieu. Si tu es devenu ennemi de Dieu, si Satan t'a attrapé comme ça, ah, Jésus, sauve-moi! Et si Jésus vient, Satan va te laisser. Mais si Jésus lui-même t'a attrapé, Satan vient me sauver, Satan peut. Il peut venir. Il peut regarder Jésus. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Celui qui veut être ami du monde, aujourd'hui, les enfants de Dieu qui, soit en disant, enfants de Jésus, ils sont devenus amis du monde. Amis du monde. Cela signifie que il aime le mensonge plus que la vérité. Le mensonge plus que la vérité. Oui, ils aiment ça. Les femmes, je vous en prie. Je vous en prie pour vos âmes. C'est important que vos âmes soient sauvées. C'est important que notre âme soit sauvée. Ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas que j'ai écrit les versets là quelque part pour dire hein, et ou bien il a mis dans les vers. Non. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Saint-Esprit. Dieu est en train de me révéler ce qui est le problème dans ce monde aujourd'hui.
Les femmes disent qu'ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les femmes, ils disent qu'ils aiment Jésus. Très bien, mais ils n'aiment pas la vérité. Les femmes disent non, hein, et si la Bible a dit Deutéronome 22, verset 5 là, non, et ils n'ont pas bien entendu ce que la Bible dit là-bas, hein, hein, vous n'avez pas bien entendu. La Bible dit, Deutéronome 22, verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements d'une femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il dit non, oh mon frère, c'est pas ce que la Bible dit, qu'on ne va pas porter les pantalons des hommes, mais il y a les pantalons des femmes, abomination, abomination. Les femmes en train de défendre vérité au mensonge. Il prend vérité pour le mensonge pour la vérité. Pourquoi? C'est le diable, parce qu'il est le monde. Bien-aimé, nous voulons aller au ciel. Bien-aimé, nous voulons aller au ciel. Pourquoi tu aimes le mensonge? On dit une femme ne portera pas un habillement d'homme. Tu dis non, que pantalon des femmes, il y a pantalon des femmes à l'époque qui n'était pas pantalon. Qu'est-ce que vous portez? Vous les femmes? Non, le monde est en train d'évoluer. Nous aussi on doit évoluer, non? Avec les mentalités, c'est Dieu qui a donné la terre. C'est bon. Dieu t'a donné la sagesse. Va à la sagesse avec Dieu en enfer. Et tu sauras que Jésus t'a donné la sagesse. Bien-aimé, vous dites que vous allez porter pantalon des femmes. Il y a les pantalons des femmes différents et les pantalons des hommes aussi différents. C'est très bon. Aujourd'hui, vous les hommes, il y a les jupes des hommes aussi, non? Des jupes des hommes aussi, non? Maintenant, vous les hommes aussi, portez les jupes des hommes. Et si vous voulez vous y aimer, prenez les jupes et faites. Vous les femmes, combien de patins des femmes là? Si vous voulez vous aimer là, enlevez le fenêtre et enlevez le pistolet et faites. Et on va voir que oui, il y a les patins des femmes. Et il y a le patron des hommes. Si c'est vrai, ça fait honte. On voit la vérité en face. Si elle n'a apporté jupe des hommes, regardez, est-ce que ça sent bien? Jupe des hommes. Jupe des hommes. C'est abomination, le mot là, abomination. Il y a des jupes des hommes, non, Boubaraba. Et oh, c'est très bon. Tu vas voir Boubarabassou en enfer. Bien aimé, il n'y a pas jupe d'un homme. Et il n'y a pas pantalon d'une part. Non. Celui qui fait ses choses, abomination devant son Dieu. Devant ton Dieu. Les femmes sont en train de discuter ça. Non. Eh, oui, non. Non, si c'est à cause de pantalon, moi je vais aller en enfer. Oui. Hey, bien-aimé, ne dis pas ça. Tu ne sais pas ce que tu dis à cause de pantalon, tu vas aller en enfer. Hey, pantalon, c'est toi qui l'as acheté ou bien c'est lui qui t'a acheté? Pose la question, pour voir. La Bible me dit, Marc chapitre 8, verset 36 à 37, que c'est à une femme de porter les pantalons pour aller en enfer. Que c'est à une femme de porter les pantalons pour avoir des pantalons différents dans ce monde pour aller en enfer. Que c'est à une femme de gagner pantalon. Oui, j'ai des pantalons différents. Après, il va en enfer. Que Dieu nous aide, bien-aimé. Tant qu'enfant de Dieu, tu vas aller au ciel. Pantalon, non. Jupe, oui. À cause de pantalon, je dis. Il y a des gens qui attendent des visions. Ils disent non. Oh, oh Seigneur. Oh. Je
porter pantalon. Enfin. Oh Jésus. Si c'est pas toi qui es venu là, on est foutu. Ah, le gars nous a torturé. Jésus m'a parlé qu'on ne portait pas le pantalon. Que lui, c'est lequel qu'il voit. Abomination, fille du diable. Et tu es en France là-bas, tu donnes l'argent à un pasteur qui est aveugle au Bénin pour lui dire que Dieu t'a dit. Ah, vous allez voir votre fin. Vous qui dites Dieu a dit, Dieu a dit. Regardez votre frère avec vos filles là, des filles de malédiction que Dieu vous a donné. Des malédictions. En portant des cons là. Et ici, en Europe, il fait froid. C'est pas Dieu qui a créé l'Europe. Shadrach, Abednego, les trois là, il dit qu'ils ne vont jamais prospérer devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils ne vont même si leur Dieu ne les sauve pas dans la main de Nebuchadnezzar, lui, ils sont prêts pour mourir pour leur Dieu. Mais s'ils vivent pour leur Dieu, ils l'ont jeté dans le feu. Mais ils sont rentrés dans le feu. C'est devenu climatisé. Si à cause de Jésus, tu ne portes pas pantalon, tu ne portes pas corona, tu ne portes pas des culottes pour la cause de Jésus,